La découverte d'une Ferrari est toujours un grand moment, surtout lorsqu'il s'agit comme ici de la F12 Berlinetta, qui n'est ni plus ni moins que la Ferrari de série la plus puissante produite par la firme de Maranello. La F12 Berlinetta vient remplacer la 589 GTB Fiorano qui était sortie en 2006. Alors pourquoi F12 Berlinetta? F en référence à Ferrari et 12 au nombre de cylindres qui logent sous le capot, car il s'agit bien d'un tout nouveau V12 de 6 litres 3 de cylindrée qui développe une puissance de 740 chevaux. C'est du jamais vu dans une Ferrari de série. Et avec sa ligne agressive, les performances suivent. Elle avale 0 à 100 en 3 secondes 1 et peut atteindre 340 km/h. Comme toute Ferrari, la F12 Berlinetta a été dessinée par Pininfarina. Les lignes sont agressives, mais surtout aérodynamiques. Par rapport à la 589 GTB Fiorano, elle est plus courte, plus basse. Ah, ça sort dans une Ferrari est toujours un grand moment, surtout dans cette F12 Berlinetta. On est assis très bas, on a bien le contour devant les yeux, gradé jusqu'à 10 000 tours minute. L'ambiance est vraiment fantastique. Du carbone, du cuir, il y a tout ce qu'il faut pour prendre du plaisir au volant. On a des grandes palettes, on a un volant avec le bouton pour démarrer le V12. Le Manettino aussi qui permet de régler les modes de conduite. Non, c'est vraiment, c'est plutôt fantastique. Chez Ferrari, l'univers de la course n'est jamais très loin. La preuve avec ce feu anti-brouillard qui est identique à celui présent sur les Formule 1. C'est une vraie voiture de sport. Et pourtant, Ferrari aussi pensait à l'écologie. Le V12 consomme 30% de moins que celui de la 589 GTB Fiorano. Bon, la moyenne reste quand même conséquente, environ 15 litres au 100, mais c'est quand même un bel effort à souligner. Si vous avez un peu plus de 270 000 euros à dépenser, que vous n'avez pas d'enfant et que vous êtes en manque de sensations fortes, la F12 Berlinetta est faite pour vous.